Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2023. Nous introduisons encore dans vos salons, dans vos téléphones pour des réflexions que nous portons ici. En tout cas, avant de commencer, je vais remercier beaucoup de gens qui s'abonnent, beaucoup de gens qui me font confiance, beaucoup de gens qui m'appellent. Vous tous, en tout cas, individuellement, je ne peux pas le faire comme je le fais avec le WhatsApp quand je vous réponds. Mais ici, à Contact Pro Live, c'est l'opportunité de vous remercier tous. Vraiment, je suis très, très content. Ça me donne encore envie de beaucoup plus continuer à travailler, à faire ce que nous nous sommes dit qu'il fallait faire. Donc, élever un peu le moral, conscientiser vous, peuple congolais, sur le problème de notre pays. Effectivement, notre pays ne va pas bien lorsque on pose la question. Comment va le pays? Le pays ne va pas bien. Nous sommes dans une période de campagne qui a commencé depuis hier. Et donc, aujourd'hui, chers amis, nous allons donner notre point de vue, encore une fois de plus, sur la candidature commune de l'opposition. Quelle est l'importance de ces élections que dans lesquelles nous allons? Nous allons parler de deux points, la candidature commune de l'opposition et notre réflexion sur ce qui doit unir les opposants afin de se choisir un programme bien déterminé qu'ils mettront en place. Nous allons vraiment en discuter et donner notre point de vue sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Vous le savez bien qu'ici à Contact Pro Live, nous discutons sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous essayons un peu de réfléchir comment est-ce que les Congo peuvent se gérer autrement. Nous ne voulons pas ici venir donner des leçons en disant que c'est comme ça que ça doit se faire, mais c'est une proposition que nous mettons en place. La fois passée, je vous ai dit que dans le discours de Denis Mukwege, nous avions senti que ce que nous disons ici, il en a tenu compte. C'est ainsi que nous nous disons. Si nous continuons à poser le problème et mettre les solutions sur la table, ceux qui nous suivent peuvent s'inspirer de là-dessus. Je me suis retrouvé dans Deli Setanga. Je me suis retrouvé aussi quelque part dans Matata Mponyo, donc un peu, mais vraiment je me suis retrouvé un peu beaucoup plus sur Denis Mukwege et puis Deli Setanga. Les deux, j'ai compris que non, peut-être qu'ils me suivent, peut-être que c'est ça le réel problème et que je ne suis pas loin de la réalité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la candidature commune de l'opposition et le plan que moi je pense qui doit les réunir, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, mais comment y parvenir. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Candidature commune de l'opposition, Deli Setanga refuse de suivre le pas de Matata. Et puis Lomami, lancement des travaux épais, Tchenda de Lumbi, Kabela et Kele au centre de santé de Kamazia. Campagne électorale, Tshisekedi tacle de nouveau Katumbi. On va sur actualité.cd. Les étudiants de Kinshasa expriment leurs attentes concernant les élections. Mukwege et Setanga, pas concernés par l'annonce de Matata. Et puis RDC, le leader de Grand Nord Kivu se présente aux élections aux côtés de Félix Tshisekedi, mais l'insécurité demeure un problème majeur pour le président sortant. Congo profond, quicuit avec Kawakana Yampa de Nico Gitungu, l'espoir est permis. Kasumbale, sa début tibine de la campagne électorale du candidat toujours en attente du financement promis. 7/7, présidentiel, Blanchard Mongoma nommé directeur de campagne de Muzito. Et puis présidentiel, Matata Mponyo annonce son ralliement avec Katumbi.
Éliminatoire mondial 2026, défaite de la RDC face au Soudan. On va terminer par Radio Okapi. Oui, Lula Seni mobilise les électeurs pour un taux de participation élevé. Lubumbashi, la police appelée à sécuriser la campagne électorale Nord Kivu. Reprise des affrontements entre FARDC et M23 près de Karega. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, la semaine passée a été prédominée par le groupe des cinq. C'est-à-dire le groupe des cinq, nous parlons ici d'Eli Sesanga, Mata Tamponio, Moïse Katumbi, Docteur Denis Mukwege, et le cinquième, c'était c'est qui je crois que c'est Seth Kikuni. Ils devraient se réunir en Afrique du Sud pour trouver un certain compromis sur le choix du candidat commun. Ce n'était pas à eux, mais c'était un groupe d'avance, comme on peut dire, groupe Moko Batinda qui n'a pas le bossoba qui ne coûte à baliser le chemin pour que le choix de la candidature commune puisse être désigné par eux-mêmes les candidats à la présidence. Il y a eu beaucoup de polémiques sur ça. D'autres ont dit que ça n'a pas marché, d'autres ont dit que c'est... Il y a eu ceux qui se sont dit. Mais les faits sont quoi? Tout d'un coup, nous voyons Martin Fayulu, c'est comme si on l'a écarté, c'est comme s'il s'est écarté, on ne sait pas encore, moi je ne peux pas vous dire ça ici. Mais le fait, c'est qu'il n'y a pas une certaine engouement sur le choix de ce candidat commun. Il n'y a pas, au sein même de candidatures, on ne sent pas, bien que dans leurs interviews, vous sentez que non, ils sont ouverts, on peut causer, on peut faire ceci, mais on ne sent pas aucun empressement. Pourquoi? Selon certains de ces candidats, vous allez les entendre en train de dire que non. Même si nous y allons dans l'ordre dispersé, n'importe qui pourrait battre Félix Tshisekedi. Et parmi les cinq, il y a deux qui ont affirmé que non. Inutile qu'on puisse faire la candidature commune. Et donc Tshisekedi est déjà faible. Ça ne vient que d'eux. Donc, j'ai entendu ça dans la bouche de Seth Kikuni. J'ai entendu ça aussi dans la bouche, je crois, de Matata ou bien que quelqu'un d'autre. En tout cas, je crois, oui. Et beaucoup d'entre eux disent que non. Même si nous ne sommes pas ensemble, n'importe qui pourra battre Félix Tshisekedi. Alors, cette froideur au courant du week-end, ils ont terminé les préparatifs ici en Afrique du Sud, ils rentrent au pays. Comme ça, d'un coup, hier, nous voyons Matata sortir dans le média avec... il se positionne du côté de Katumbi. Avec une déclaration, il s'est dit, bon, lui, il va soutenir Katumbi, il se détracte pour Katumbi. C'est déjà quelque chose, une fissure au sein même de cet regroupement qui tend à trouver un candidat commun. C'est déjà une fissure. Pourquoi? Parce que ça devrait être, en principe, le 5 ou bien les 4 se mettre ensemble et se prononcer et donner leur point de vue. C'est ça que le peuple congolais donc attendait d'eux. Parce que nous ne voulons pas, selon eux, ils ne veulent pas donner une chance à ce que, même s'il y aura tricherie, mais que cela soit impossible de tricher, parce que à ce moment-là, s'ils sont vraiment concentrés à une candidature commune, vous allez voir qu'il n'y aura pas moyen de tricher et qu'ils vont clouer Tshisekedi et qu'ils vont vraiment vaincre ces élections. Donc c'est ça l'idée. Mais qu'est-ce que nous pensons, nous, ici, de cette candidature commune? Et puis, ce que nous pensons que qui devrait être faite. D'abord, sachez que notre pays, nous sommes dans une maturité démocratique. Ça, il ne faut pas le nier. Nous sommes arrivés à un niveau où, même si nous avons des problèmes, mais la maturité de la démocratie a évolué en République démocratique du Congo. Nous tendons à faire les choses d'une manière civilisée que
ce qui a été fait avec les coups d'État et, ou bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Nous, au Congo, moi, je peux me féliciter en disant que nous avançons quand même sur le plan diplomatique. Et il faut accepter qu'il y a une certaine avancée. Mais cette avancée-là, nous ne devrons pas dormir sur nos lauriers. Parce que c'est des problèmes que nous rencontrons. Aujourd'hui, notre pays fait face à l'agression, à de multiples insécurités, à la au non-contrôle du pays. Le gouvernement est disons, le pays est ingouvernable. Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que nous maîtrisons notre pays. Nous, les Congolais, nous ne maîtrisons pas notre pays. À cause de quoi? À cause, justement, de ceux qui nous dirigent, la non-initiation de ceux qui nous dirigent. Je ne sais pas par quelle magie les gens ne se donnent pas de coup d'État aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je trouve que, quelque part, nous n'avons pas... Notre classe politique est vieillissante. Même au sein de l'armée, nous n'avons pas cet engouement des jeunes qui peuvent se dire que nous allons prendre le pouvoir. Il n'y en a pas aujourd'hui. Ça, il faut qu'on accepte. Vous allez voir que dans le pays où il y a des coups d'État, vous allez que l'armée a été formée. L'armée est consciencieuse. L'armée est là. L'armée protège le pays. Et l'armée est capable de faire les choses d'une manière militaire. L'armée peut s'imposer. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire chez nous en République démocratique du Congo. C'est pour cela que moi, je vois qu'il ne peut pas y avoir un coup d'État pour l'instant. Et donc, nous sommes dans un autopilot, comme on dit. C'est comme si le pays navigue sans qu'il n'y ait un leadership qui connaisse là où nous sommes en train d'aller. On ne sait pas exactement si le pays part où. Nous n'avons pas de vision claire sur la gestion de notre pays. Les choses se prennent... Vous allez voir, par exemple, notre classe politique, elle est médiocre. Ça, il faut accepter. La classe politique d'aujourd'hui, elle est médiocre. Ici de quoi? Ici des gens qui ne sont pas à même de comprendre où quelle est la vision réelle de la direction de notre pays. Ça vient d'où? Ça, ce sont ce que nous héritons de nos indépendances. Nous héritons de nos pères des indépendances qui ont eu cette chance-là. Nous héritons de qui? Nous héritons de Mobutu. Le gouvernement de Mobutu, vous allez voir que nous étions beaucoup plus dans la médiocrité. Les antivaleurs ont pris place aux valeurs. Ainsi que donc notre République, malgré que nous avançons dans la démocratie, mais il y a les antivaleurs qui continuent à dominer. Chancelot Kopamba. Les gens qui connaissent ne sont jamais à la place qu'il faut pour diriger ce pays. Ainsi donc, c'est dans cet imbroglio que nous nous trouvons et nous ne savons pas comment y sortir. Maintenant, Matata prend une position. Il dit qu'il sera pour Katumbi. Ça, c'est pour encore entêter Katumbi en se disant, même si nous allons nous réunir, sachez déjà que j'ai avec moi une voix. C'est-à-dire, si nous allons choisir qui peut nous diriger ou bien qui pourra être le candidat commun, moi, je suis déjà deux. Donc, vous autres, vous allez... Ainsi, Katumbi aura une avance sur les autres. Les autres vont-ils accepter? Je ne sais pas. Ou on va laisser qu'on aille aux élections de cette façon-là et voir si l'opposition, quelqu'un pourra gagner. Je ne sais pas. Ça, c'est encore un quid. Pourquoi ça? Lorsque nous analysons les caractéristiques posées par l'équipe d'avance ici en Afrique du Sud, vous allez trouver que les critères pour un candidat commun ne tiennent pas. Moi, je n'ai pas retrouvé comment est-ce qu'ils vont désigner sur les éléments immatériels des candidats. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Parce que les critères-là ne sont pas vraiment précises. Les critères ne sont pas nets en disant « Voici ces critères où, lorsque nous allons les poser sur table, le candidat commun va se désigner. » Tous, ils sont ouverts.
Mais qui va, on va faire quoi? Moi, je ne suis pas ici pour interpréter, mais je vous dis que mon analyse à moi, et ce que moi je pense, que cette candidature commune, elle était vraiment la bienvenue au cas où tout le monde sentait que nous allons faire passer les intérêts de notre pays en avant. C'est-à-dire, nous allons reconstruire le pays. Et c'est comme ça que nous pouvons dire, selon un programme, moi je pensais qu'ils auront... Ils se seront mis ensemble en disant « Voici le programme que nous allons faire. Voici comment nous allons commencer et voici comment est-ce que nous allons terminer. » Alors, nous, on te donne par exemple tel. Nous pensons que toi, tu vas nous défendre de ce côté ici. Et ça, quand tu as un joueur, tu as une équipe, Et puis à ce moment-là, nous disons, notre équipe, il s'appelle par exemple Congo Yamakasi, ou bien comme ils ont dit, Congo Yamakasi avec tel. Votez Congo Yamakasi, dont le président sera tel. Nous allons tous derrière ce président-là. Et lorsque nous allons gagner, et nous allons essayer maintenant d'appliquer ce que nous pensons que Congo Yasika, ou bien Congo Yamakasi et Kozala. C'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'il aurait fallu d'abord qu'ils puissent dégager eux-mêmes, mettre un programme commun en disant, nous allons mélanger celui d'Ensemble, celui de LGD, celui de Matata, celui de Fayoulou et tout ça là, celui de Mukwege. Nous allons nous voir qu'est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble. Et cela ne peut pas se faire en une semaine. Cela ne peut pas se faire en deux jours, non. Voilà comment est-ce que nous allons encore tomber s'il faut choisir quelques... S'ils ont des difficultés, comme je dis, sur un programme donné, ça ne peut pas se faire en deux jours. Non, c'est impossible. Parce que vous devez compter toutes les thématiques et puis mettre les tout ensemble et puis tout les lire. Il y a beaucoup trop de travail afin que nous vous puissiez... Parce que vous devez vous analyser. Vous devez vous rendre compte. Nani de Moutouaza, ma kassina et loko, oyo, to tiens en ensemble pour que Toto Loba... à guider Bisso. Alors, programme en haut, ensemble, il y a Fayoulou, il y a Mukwege, il y a Nani, tous, il y a Delice Sanga. Tous ces programmes-là, c'est tout un travail. Et donc, moi, je pense qu'il est pratiquement impossible aujourd'hui de se liguer derrière un programme donné. Ou bah, nous sommes abandonnés, bah, programme, bah, on va le battre, de choisir le programme à Moutoutel. Même cela aussi, il faudrait. Batunamutualeka à défendre le programme pour que se choisir le programme moko. Alors à partir du programme, il faut que l'on fasse le programme pour dynamiser le programme moko. C'est tout un travail à faire. C'est vraiment très 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 difficile pour l'instant de trouver un candidat commun. Donc, Tozo Kendekaka, comme vous aviez dit, moi c'est ce que moi je pense. Allons-y tout simplement. Tokendekasi. Que chacun puisse abondana ba modèle naye batunyon soba se donner des coups pour que le meilleur gagne et que ce meilleur là pourra à ce moment-là faire ce qu'il pourra faire. Mais moi je pense que pour l'instant la candidature commune elle est vraiment difficile à trouver. Mais maintenant, qu'est-ce qui est le plus important bande konangai? Important, c'est le pays. Mboka na biso ndeza la chose la plus importante qu'il faut tenir compte ici. C'est la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Nous pensons que le mot de ce pays, c'est la gestion tout simplement. La forme de l'État, elle cause problème. On peut venir avec beaucoup de discours, avec beaucoup de programmes, mais la réalisation de ces programmes-là va demander à ce que cela puisse être fait par tout le monde. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui
dit exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire réunir le peuple congolais autour d'une table en disant « Voilà comment est-ce que nous allons commencer à prendre le consensus en rétrocédant justement le pouvoir au niveau de là-bas. Ce ne sera pas moi. Katumbi seul ne pourra pas changer les choses en République démocratique du Congo. Regardez déjà avec les tensions avec qui il a avec les Kasaïens. Est-ce que c'est un président fédérateur? Moi, j'ai dit ici que Katumbi valait mieux être président, mais entouré avec beaucoup de gens, avec beaucoup de consensus pour qu'il puisse nous guider, afin d'implémenter et là qu'on a eu un azanango oyakoloba na bandi na kosilisa, na bandi na kosilisa. Vous comprenez? Donner à Katumbi cette opportunité de s'exprimer comme candidat à la présidence, comme leader. Il en a. Mais moi, je dis qu'il fallait qu'il soit entouré avec des technocrates, batwebele, ou bako analyser, ou bako mekako, ko restreindre ye, fougue wana zanango ke e débordé te. Parce que s'il n'a pas des gens à côté de lui pour lui montrer le chemin, nous risquons de tomber dans la dictature, mes chers amis. Na modèle ombo kanabiso ezali. Moi, je dis ça. Je dis que, et pour vous retenir en haut, je sais bien que Katumbi a les valeurs. Katumbi azana makasi wana ya koloba to changer ba makambo. Mais il doit être entouré avec des technocrates. Seul avec Kamitatu. Oui, Kamitatu j'accepte. Mais Christian Mwando à part, non. Non, c'est une coquille vide. Excusez-moi le terme. Christian, moi je n'ai jamais je regrette notre celui qui est parti. Chérubin, je regrette. Le grand frère est parti tôt. Ça, ce sont des valeurs. Bon, Kassi qui a marqué un modèle, wana, de Tolingi. Tolingi, il sous que Batouana va encadrer séparation du pouvoir de façon que Katumbi a débordé. Si Katumbi est président de la République, il y a un modèle qui a été un modèle. Na dictature. Je ne dis pas que ça peut être comme ça, mais na fuguana, na modèle auto yebi, il a la capacité, mais attention, il faudrait que azala na équipe moko yaba matua mayele, oba kubanda ko guider, ko conseiller malam. Mais seul comme ça, avec la manière dont ils dirigent ensemble, modèle azako dirigeant ensemble, ce qui modèle wanande toko dirigeant maka Congo et kozala diriger. Nous risquons de retomber dans la dictature parce que tu ne peux pas. Il sera le chef suprême. Si il faut transcrire la mode à co-diriger ensemble, Batia yango na Congo, Mobimba, wana tokufi. Nani akoloba lisusu nini? Et je crois même nous que les journalistes, il y aura quelque part ba restriction mususu parce que le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt, c'est là où je perds. Alors, awanga biso tozo lobela nini? Tozo lobela danger wana soki tokena modèle wana. Contact Pro Life ici biso to pronaka eloko to lobaka la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous devons apprendre aux Congolais de travailler. Nous devons responsabiliser les Congolais. Le Congolais au niveau de la base doit savoir qu'il est responsable. Il y a avenir naye. Il y a mboka naye, moko ya territoire naye. C'est cette forme de l'État que nous pensons qu'il faut que tu implémentes. Nous n'avons pas besoin que les gens puissent venir nous construire les routes. Ba construire ba route na biso puis ba yibi biso minere ba tongeli biso hôpital puis ba yibi biso minere. Beaucoup de personnes, beaucoup de programmes ne font pas attention à ce que il faut faire remettre les Congolais au travail. Le travail, ce n'est pas que tokoyana ba accompagner ko banda ko sala nini, tandis que nous ne sommes pas responsables ya vie na biso. Nous voulons être esclavagisés par les compagnies que vous allez venir avec. Baba nda kofuta biso tam souba kofuta biso pe mala mouté tout ça. Et que nous ne sommes pas unis, c'est l'unité que nous avons d'abord besoin. Tozan a besoin de cohésion nationale. Le bien vivre ensemble. Tout désescalader wana, nous devons d'abord réformer, disons tout, redynamiser l'État congolais.
C'est ça qui va créer l'emploi. Il faut que l'État congolais puisse s'imposer sur toute l'étendue du territoire. C'est ça le chantier à Makasi, Otozanango, Ezali, qu'on construire l'État congolais. Rétrocéder le pouvoir, c'est-à-dire que Batounion Soba se sentir que Bazana sait y a parapluie à l'État congolais. Que les Congolais se reconnaissent le maître de son pays. C'est ça le travail que moi je pense qui est le plus important et que les candidats devraient s'atteler dessus. Et là, quand on a Koloba, oh non, nous avons déjà vu, on retombe toujours dans le même erreur. Batubazo kende ko pesa batuba maputa, on voit que les gens, oh non, tozo kende ko sala ba campagne, ba kena ba sucre, na banine, on commence à redistribuer les gens, ba biloko moko amarkona. Ça ne vaut pas la peine. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Eza eloko toza koloba ke Congolais a se retrouver. To banda koyoka ke mboka na biso pe ezali. Nous avons les cartes d'identité. Nous pouvons aller de Bukavu à Kinshasa. Nous pouvons voir notre pays fonctionner normalement comme tous les pays. Kimoi bien si la magistrat zala. Comment imaginer que kaka siko yawa président de la République anomaka je sais pas ce qui 2500 magistrats attend mon côté à Kenana à l'intérieur. C'est ça le grand problème que nous sommes en train de faire face dans ce pays. Et maintenant qu'il faudrait que Wanande tous aient l'objectif Nabiso pour reconstruire Mboka Nabiso. Ça ne doit pas être Ngana Koye la Binobo, Ngana Koye. Il faudrait redynamiser l'État et ce n'est pas moindre. Et ça, Moussala Moko a Moukete. Et quand on sale Manamoutou Mokote, c'est comme ça que nous sommes dit. Cette refondation, cette rétrocession du pouvoir au niveau de la base devrait commencer par les états de lieu de chaque territoire. Les peuples congolais au chaque niveau, dans chaque territoire, devraient prendre d'abord la température à Koloba, état de lieu à Mboka Nabiso Ezanini. Comment est-ce que nous nous comportons? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que Toza Koyokanate? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Toyokana? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout ça... C'est comme ça que nous nous sommes dit. Ça devrait nous conduire à la réélecture de notre constitution afin que ce qui va se faire dans la constitution puisse être dit par le peuple congolais lui-même. Peuple congolais, yemoko abanda ko exprimer que ça ne soit pas des gens, un groupe de personnes, bah yé à côté, bah yé ko solo là, kinzonzi, et puis bah yé libino balobi, on de constitution asika. Tête au lingil sous babilo kwa marque wanate. Ainsi donc, moi je pense que l'élan qui doit être pris, c'est cet élan du renouveau du Congo. Il y a un candidat, il faut bailler le problème des anini. Pour que tout ça, le programme, nous allons faire ceci. C'est ça la solution au problème de notre pays. Mais tant que tu as mettre Babilo Kognon soit ensemble, tant que tu as un problème, je crois que nous aurons toujours des problèmes. Nous allons toujours souffrir parce que nous sommes tous à que non, ah, problème, il y a réconciliation nationale, les athées, il faut qu'à la Bino Bamisala. Je veux brader le minerai du pays, je ne vous construirai aucune route, aucun hôpital, ou bien un hôpital, mais vous êtes divisé. Nous devons nous focaliser sur la redynamisation de l'État congolais. Et pas à l'extérieur. Donc le problème de l'interne persiste et c'est ce qu'il faut, je pense, se concentrer na kati. Toki ko bandaka kolobate que non, mbongo, mbongo, boye, mbongo. Non. Le problème, c'est l'humain. Il faut que le peuple congolais puisse se réconcilier d'abord avec lui-même, afin que tout build, tout tonga, l'État congolais. C'est ça l'État congolais que nous avons besoin de reconstruire. Et par là, il faudrait que soit l'implication même de ce peuple congolais avec. Bien, il faut que te tenir compte. Nous ne pouvons pas donner au peuple congolais ce que lui-même ne veut pas. Tous ça n'a pas problème, et Belé n'a pas voisin, n'a biso. Mais comment nous allons les résoudre si nous-mêmes nous ne sommes pas ensemble? Nous devons parler avec les autres, mais nous allons parler avec les autres. Comment si nous-mêmes pas, tous ça n'a position T. Voilà, mes chers amis. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer toujours avec cet élan là, de commencer toujours à vous donner nos points de vue
sur les candidats parce que la campagne est déjà lancée. Nous sommes vraiment contents à ce que nous allons dans cette campagne-là. Contents parce que, bon, on, finalement, Kadima nous rassure qu'il y aura élection. Tokoyeba, content parce que Tozokoyeba, Tozotala, Tozako construire Makamunenge Kozala dans les 5 prochaines années. Alors, pour vous qui ne vous êtes pas encore abonné, Soki Bokomi Tisikoyo, please abonnez-vous. Essayez de vous abonner, mettez-vous donc des likes, laissez les commentaires parce que tout ça, ça contribue à l'épanouissement ou bien à la visibilité de nos vidéos. Donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.